C'est parti pour le warm-up. Alors, Eslin m'a dit. Ah, je vais Bon, retourner avant que voir je me le. détilte. Je vais retourner voir le message qu'il m'a dit. Faut que je me détilte. Je lui ai demandé à peu près ce qu'il pensait. S'il avait pu traîner correctement. Il m'a dit: no joke, je pense que sur Zedgeist, je vais le pulvère. Non, il m'a pas dit ça, je déconne. Il m'a dit: ça peut aller très bien. Mais il est confiant quand même, c'est ce qu'il faut 30, retenir. Ça va. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on va pas le filmer. Il m'a dit ça peut aller très bien. Donc on peut s'attendre à du beau jeu aussi. Mais là, là on rentre sur le terrain de Sirenix. Et ça peut être dangereux. Il va juste l'éclater en fait. Oh, par contre, attends, faut que je redémarre la VOD pour YouTube. Ah bah ouais. Bonjour YouTube. Je pense. Ça y est, j'ai commencé, t'inquiète. Michel fera le montage. Par contre, je suis désolé YouTube, mais la prochaine VOD elle sera moins belle que celle-ci parce que. Comment ça? J'ai trop de frises avec le record. Faut vraiment que je change de carte graphique. Ah. Pas de chance. Ouais. Bon, attendez. YouTube, bon, il y aura quand même la deuxième partie de la map, enfin la deuxième partie du match, pardon, sur YouTube, vous en faites pas après le warm-up. À toutes. Ah ouais, donc. Et je vais jouer sans VOD parce que. Putain, j'ai trop triste, quoi, genre. Ça, c'est dommage, ils vont pas entendre ce que je vais dire maintenant. C'est déjà beaucoup mieux, quand même. C'est triste, oh là là, Wrestling. Non, mais. Wrestling, alors là. Là, tu viens de signer. Un tour sur Tortuga. Après le match, là, tu fonces sur Tortuga. Aïe. Bon, allez, go. Aucune négociation possible. Bon, Rasmus qui s'en sort quand même pas trop mal, hein, c'est son but. Il save quand même beaucoup, mais ça passe correctement. Un bon landing ici. Ah non, pas le meilleur des landings, mais ça passe quand même. C'est ta promo, c'est le moment. N'hésitez pas à ne pas venir sur le PVM. Vraiment, ça me ferait plaisir. Alors que Wrestling arrive pour ce warm-up sur les petits champis, les petites plateformes. Hop là, il passe tranquillement, des petits sauts de lapin sur toutes les plateformes. Ça safe, c'est ce qu'il faut. Tranquille. Alors, j'espère que Wrestling ira quand même un peu plus vite lors du match. Hein. Sauf s'il a une avance. Sinon, je ne pense pas qu'il pourra rentrer de round. Oh, really? Ouais, les autorisations, elles marchent beaucoup trop bien là, elles marchent tellement qu'elles ont couru très loin. Non, ouais, je peux peut-être en parler un peu là maintenant que j'ai libre antenne devant 200 personnes, mais je suis vraiment désolé à toutes les personnes qui ont découvert le PVM un peu tard. Avec ben, le maximum de gens, hein, la majorité des gens. J'ai répondu à personne à partir de mardi soir. Parce que, en fait, j'avais pas envie de faire des copier-coller hein, à peu près plus d'une centaine de personnes. Ah, celle-là, je vais en parler. Parce que c'est ce que j'aurais dû faire. Hein, voilà. Du coup, j'ai vu avec Wingo, il refera une autre annonce. Parce que la majorité d'entre vous, je pense, ont vu l'annonce de Wingo. Ah, maintenant, c'est une situation parce que j'ai fait une erreur en entendant que je faisais jamais en warm-up.
La nouvelle Anne Wingo est morte, décédée, enterrée. Non, parce qu'en fait, il y a pas mal de monde qui ont juste vu mon pseudo Discord avec le hashtag et qui m'ont posé plein de questions, qui m'ont dit « Hey, salut le PM, comment ça marche ?» Alors que, genre, j'ai pas envie de répondre à ce genre de questions 50 fois, en fait. Et quand les 50 autres questions, c'est « Est-ce que tu peux m'ajouter au GDoc, s'il te plaît ?» Alors que, genre, ça me prend 3 minutes pour ajouter quelqu'un. Donc en fait, ça prendra à peu près 4 heures, enfin 3 heures d'ajouter 100 personnes, même plus, c'est chiant. Donc ouais, j'ai décidé d'arrêter et de trouver une solution. Et la solution a été de faire un truc public où je gère rien en fait, parce que j'ai pas envie de gérer. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir d'obligation vis-à-vis de quoi que ce soit, hein, PVM, je l'ai fait... Il y a un deuxième warm-up. Ah non, c'est pas fini, tu comprends. C'est juste la scène qui recommence parce qu'il est trop fort, il a fini trop tôt. En fait, j'ai pas envie d'avoir de responsabilité ou d'obligation vis-à-vis de quoi que ce soit pour le PVM, parce qu'à la base, je l'ai fait pour le fun. Et surtout, s'il y a des gens qui ont envie de faire quoi que ce soit, je pars du principe qu'ils feront quoi que ce soit. Moi, quand je l'ai fait, je me suis servi à gauche et à droite de choses qui étaient... inspirante, mais par exemple, ce que j'ai développé, j'ai rien créé, quoi que ce soit bien clair. Le fait d'avoir des objectifs de temps avec des rangs, ça existait sur Mario Kart il y a 10 ans. Voilà, donc je ne fais aucune allusion à un autre joueur de TM qui m'avait dit avoir tout le droit dessus, mais personne n'a les droits sur ce genre de truc, et moi non plus. Et si vous voulez faire quelque chose, faites-le, hein. Par exemple, quand il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Salut, est-ce que tu veux que j'améliore ton G-Sheet ?» ou « Est-ce que tu veux que je fasse un truc, un site web ?» Mais j'ai juste envie de leur dire « Mais c'est super, mec !» Mais franchement, si le mec il était venu me voir en me disant « Bah écoute, t'es en PLS dans ton lit tout seul, là, parce que t'as trop de demandes, tu pleures parce que ton téléphone il sonne toutes les 10 minutes pendant que moi j'ai fait un truc qui marche et qui est mieux, et eh ben franchement, j'aurais fait « Merci mec, continue. Ah, continue à faire bien, ce que tu veux, trop et fais ton truc dans ton coin, ça me va très bien. » Mais non, non, en fait, ça commence à avoir beaucoup d'influence, et je pense que les gens ont pas envie de faire des trucs de leur côté maintenant. Alors qu'ils devraient. C'est chiant. Genre, je possède rien du tout. Et encore récemment, il y a des gens... Enfin, il y a une personne qui est venue me voir en me disant « Est-ce que tu nous donnes l'autorisation de faire ton concept sur Trial Fusion ou un jeu Trial, le truc des motos en 2D ?» Mais moi, je trouve ça triste, en fait, qu'on vienne me demander ce genre de truc. Parce que j'ai pas à dire non. Même si je dis non, en fait, hein, même si je dis non, le nom n'a aucune valeur. Hein. Faites ce que vous voulez, hein. Avec les idées que vous avez envie. Améliorer ce que j'ai fait... quelque chose, hein, surtout. Enfin bref. Du coup, premier round des racines qui prend une avance confortable. Non, pas du tout. Cyrémix est derrière. Premier tuyau. Ah, ça joue safe des deux joueurs. De la part des deux joueurs, pardon, je parle plus français. Vaseline toujours devant. Effectivement, on sent qu'il y a eu du training récemment. Aïe, aïe, aïe. Petite difficulté au niveau du land dog. Alors que Cyrémix s'est retourné. Non, est-ce qu'il a respawn? J'ai pas bien vu. Vaseline qui part donc tout seul, premier, avec une seconde, deux secondes d'avance. Mais j'ai aucune idée, au fait c'est ça le truc, le seul truc que je peux avoir c'est un concept. Mais un concept en soi, c'est vachement flou en fait, la définition d'idée et de concept. Alors je vais partir sur un petit débat, philosophique. Qu'est-ce qu'une idée ? Alors une idée, franchement, c'est un petit concept flou, et ça n'appartient à personne. Et le concept, c'est quand t'as commencé à émettre des règles, et à faire des maquettes dessus, à le theorycraft, et à un peu le développer. C'est ce que j'ai fait avec le G-Sheet. On peut laisser un concept, franchement, il n'y a rien de terminé, il sera toujours en constante évolution. Mais vous pouvez reprendre un concept, et l'améliorer complètement. L'améliorer comme vous voulez, par exemple c'est ce qu'avait fait Dinosaurus Rex, ou non, Helico truc là, je sais pas son pseudo. C'est le Messi, je l'appelle le Messi. Le
Messi, il a une idée de ouf. Il a combiné les deux pages et il a fait une formule qui regarde les temps alien et player. Mais c'est vachement bien, ça. J'y ai pas pensé. Pourquoi j'y ai pas pensé? J'y ai pas pensé parce que j'ai pas les connaissances. Je vais me tuer, sérieux. C'était quoi ce vieux turtle qui devrait jamais arriver, quoi? Et dans la sauce, hein. Il va devoir safe, pas du tout, ne safe pas. Je suis en plein titre, c'est un cauchemar. Aïe, 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 aïe. What the fuck encore? Wrestling, tel un moine Shaolin, imperturbable, qui a été royal sur Mushroom, qui déroule sur Zedgeist, un moine tibétain. Ce soir, la map s'ouvre devant lui. Les cuts deviennent faciles. Non, j'aurais pas dû risquer le cut, mais j'aurais jamais pensé Turtle ainsi alors que j'avais juste la meilleure trash. Quoi. Ouais, la meilleure trash. Bon. Si que c'est là, jaloux. Hein. Il reste Lynn qui save, enfin, complètement, il a raison. Toujours les pisseaux de lapin. Ça on va faire deux près, celle-là. Ah. Et oui, comme conclusion, je dirais juste que Trackmania, c'est un jeu qui existe avant tout de par sa communauté. Et faire des maps et jouer des maps, ça fait vue de la communauté, c'est très bien, mais on oublie aussi les personnes qui organisent des événements. Je pense récemment à toute la team... De Yannex, Wonder, il y avait Akashi, je crois, je sais plus trop, mais justement avec tous les mini-events, ça c'est vachement bien ce qu'ils font. Ils se sont fait un petit coup et ils font une rotation avec tous les soirs de la semaine, un petit événement là, je sais pas ce qu'il m'a pris, je voulais dire un autre mot, mais c'est pas grave, j'ai hérité. C'est vachement bien ce qu'ils font, et c'est ça qui fait vivre Trackmania, donc si jamais... Dommage. Il y a des gens qui ont envie de continuer ce que j'ai fait, ben allez-y. Hein. Faites vivre Trackmania comme vous pouvez. Et Wrestling qui continue, qui passe au-dessus du saut. Incroyable. Alors que Sirenix, combien de temps derrière? Ah, il y a 32 secondes. C'est compliqué, ça. Ah, mais attendez, mais ça a pas reset les points. 2 à 4. Ah, mais oui, il y avait personne à 5. Ouais, on va finir en 4. On va faire premier à 4. Je vais leur dire quand même. Ouais, non, c'est pas grave. Ah, par contre, il va falloir restart. Je vais peut-être ajouter. Zeitgeist comme prochaine map. Comme ça, si jamais ça skip. Ah ouais, mais non, ça c'est compliqué. Aïe, alors que Wrestling vient de lâcher un sacré bon temps. Sacrément bon temps. Ouais. Oh, NT en plus. Ah, tu m'étonnes qu'il était collé à mes bases, qu'il était sur un STM. On peut baisser 5-0-8. Ah ouais, bien vu. On peut skip warm-up, c'est ok. Yes. Attendez. On va skip warm-up et on va aussi d'elle. Hein. Allô. Faut d'elle. Hein. Bon, bah ça d'elle pas. Bon. Let's go. Ouais, bah je raconte ma vie, mais il y avait un warm-up aussi. Mais c'est un peu débordé. Mais c'est pas grave. Ah oui, et bonjour YouTube aussi. Voilà, c'est toujours pour un premier round, je suis pas en retard. Donc, 1-0. Pour Wrestling. Alors qu'on va faire un skip. C'est quand déjà?
Voilà. Hein ? Ah, d'accord. Mais j'ai fait skip warm-up. C'est pas skip warm-up pour passer. J'ai fait slash skip warm-up et ça skip la map. Bon. J'espère qu'il connaît la commande. Faut attendre qu'il rejoue du coup. Tu pouvais juste slash slash res. Obtiens. Ok, ok. Bon bah je vais remettre. Je connais pas sous. Happy birthday. Ouais, Racine est très très bon en vrai RPG, hein, clairement. Mais là, il doit avoir des temps alien de toute façon sur quelques. Impossible. Sans repos. Et ça, ça skip le warm-up. Moi, je pense pas. Hein. Au pire, idle, non? Ah si, ah bah non. Attendez. Idle. C'est bon, ça va suivre. Ça va, il y a le warm-up. Un peu de chat, hein, là, ça chasse fraise, hein. Ah, c'est End, Warm, Ed Woo. Ed Woo qu'il faut faire. C'est un warm-up, putain, mec. Racine, tu nous en plus un warm-up, putain, mec, là. Pour l'instant, c'est serré. Remix avec une légère avance. Quitte le checkpoint, je crois qu'il a respawn directement, il a bien fait. Ouf, trop risqué de la part de Remix sur les tuyaux alors que Wrestling enchaîne correctement. Remix n'est vraiment pas loin, il a toujours un landing assez étrange. Remix qui le rattrape sur les cailloux, ça passe. Il a réussi à retrouver une avance. Aïe aïe aïe. Les erreurs de Wrestling qui refont revenir les joueurs côte à côte. Mais c'est un burn qui est mieux maîtrisé de la part de Wrestling qui repart donc premier alors que Samus doit être en train de faire des retours arrière. Compenser son erreur. Oula. Oula, ça touche. Par derrière. Pour arrière droite, mais ça va rien de grave. Sans rien à dire, mais on arrive près du cut. Attention, est-ce que Wrestling va-t-il risquer? Oui, et ça passe. Merci. Est-ce que Sirenix y arrive? Oui, également. Ça paye pour les deux joueurs. Wrestling se passe très bien. Le passage étroit. Sirenix aussi. Les deux joueurs actuellement au coude à coude. Hein. Aucune erreur. Oula, Wrestling qui prend mal ici. Il aurait peut-être un peu le rattraper. Pas mal ça en vrai. Il save. Il a complètement raison. Il a une avance. Il peut en profiter. Là. Ça c'est une vitre. Toujours le même chemin, hein. De toute façon Wrestling est toujours en avance sur cet endroit-là. Il peut se permettre d'avancer lentement. Wouah, c'est bon si, what the fuck. Alors que Sirenix a l'air d'être reparti dans les choux. 10 secondes à rattraper, ça commence à faire beaucoup là. Aïe 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 aïe. J'ai envie de me tuer. Ouais, toujours. Wrestling qui gère bien.
les passages, les transitions, ça ne veut rien dire. Bon. Alors que dehors c'est actuellement l'apocalypse. Hein. Je sais que certains ont fait le 14 juillet. Oh tiens. Hier. J'espère que vous n'entendez pas trop, hein, mais à côté de chez moi. Il faut que je m'applique quand même. Ce soir. Bon. Je suis désolé, j'ai du mal à me focus et j'ai trop de freeze. Alors qu'il y a Lot qui essaye de chercher un 1v1, je crois. Oh, je trouve une autre solution à l'avenir. Il est sérieux, resté. Putain, ce qui vient de choc. Qui n'est plus qu'à finir, de toute façon. Ok, non, c'est bon. C'est un mix qui est encore porté. Ouais. Ouais, c'est mieux qu'ils finissent, je pense. Hein. Bon. Voilà. Il y a un gros match nul. Allez hop. Putain. C'était tout moche, je pense, le setup là pour le Toujours 1-0, hein. Toujours 1-0. Bien joué. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à finir les maps. Non, en vrai, on va dire qu'il y a 2-0. Hein, parce que. J'ai pas envie de les faire souffrir plus que ça. Ils sont déjà en PLS. Hein. Imaginez, franchement, imaginez si c'était eux qui avaient choisi ces maps. Oh non. Ah si. Ah si, pourtant si. Hein. Voilà, c'est un mix qui rattrape. Je suis vraiment le roi des FDP. Ah, peut-être pas. Hein. Oh, c'est pas vrai quoi, l'aide s'il te plaît. Vaseline. Qui s'envole devant dès le début. Ça sort des grosses invitations là entre Loct et Skyven. Peut-être le prochain match. Fume de récompense. Hop, bah c'est beaucoup pour le reset. Ça marche pas comme ça, donc. Hein. Ou en RS-Line. Encore correct. On a 6 remix. Ah, et bah c'est Chandel. J'attends un dernier truc. Aïe aïe aïe. Attends, je vais faire ça déjà. Ça fait 3 rounds. J'en vais ça, 3 rounds que 6 remix Odell. Là, c'est maintenant qu'il faut retrouver le mental. Merci beaucoup, Eliasis, cela dit. Parce que là, 3-0, on n'est pas loin de la balle de match. Merci beaucoup pour ton soutien. Bah attendez, je vais enlever ça et... J'espère que ça ira mieux maintenant. Déjà 3-0 pour Esline, hein. Pas loin de la balle de match. Bah, très compliqué ça. À remonter. Est-ce que ça rebug en haut à droite? Ah, ok. Je sais pas, c'était... Ou ça va bien? Ou c'était vraiment que tout à l'heure que Mako elle était en PLS? Non, 3-0. Et moi que je lui donne le match anyway. S'il doit s'en aller, c'est une lucky. Je vais d'elle, je dois partir bientôt. Oh merde. Ça a l'air d'aller mieux. Parce qu'il est quoi? Il est 18h là-bas? Non, il est 17h. Aïe aïe aïe, Racine qui a quelque chose de prévu à 17h. Bon, il a déjà 3 points, c'est déjà bien. Mais peut-être que ça sera une def win. Si Wrestling ne met pas 2 points de round. Aïe 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 aïe. Si Remix qui en a apparemment pas repris le mental. Peut-être qu'il a fait une erreur, ça arrive. Mais il faut qu'il se ressaisisse maintenant, ou sinon ça sera trop tard. Ah, vous entendez les feux d'artifice? D'un autre côté, ouais, ça s'entend beaucoup. Qui c'est qui a ban Mayuri? Je veux un nom. Qui a osé?
Mais... ça m'énerve de pas pouvoir save cette merde. Ok, je rigole, hein. Je peux la banne. Hein. Je crois que tu l'as déballé après, j'en ai de la main. Révolution. Oula, Wrestling qui save un peu trop là. Essaye de rouler quand même. Ouais. Aïe 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 aïe, ça c'est un gros respawn ça. Et si Remix qui repasse devant, ah, ça va coûter très cher. J'espère que vous n'entendez vraiment pas les feux d'artifice à côté de chez moi parce que là c'est un bordel. Et le cut tenté par Cyrenix et qui devrait passer et qui passe, oui. Où en est celui de Wrestling? Il va le tenter maintenant. Qui passe aussi, à peu près pareil, un peu mieux je dirais. Ah non, à peu près Yvonne. On entend rien? Parfait. Ouais, mais c'est vraiment que j'entraîne à regarder la TH quand j'en... Ça t'es haut comme Java là actuellement. Calmez-vous. Oh non. Pas encore. Oui. Ce CP de merde. Toujours trop inter, est-ce que... J'ai plus le droit de choc. Revenir, oui. Il est juste derrière. Pas loin. Mais arrête de bouffer les murs intérieurs, est-ce que... Chier. Racine qui tourne à droite, il s'en fout. Ouh, aïe, aïe, ça c'est très dangereux. Ça c'est une partie de la note très compliquée. Est-ce que... Bon. Oh, aïe, aïe, aïe. Et Wrestling qui safe et il a raison. Il a complètement raison, c'est Amix qui... Je suis pas au beau fixe là, clairement, aujourd'hui. Pourtant j'ai fixe mes problèmes d'FPS, mais... Ouais, FPS... En malheureusement, le mental, le tel scrap, il y a la ZRT, s'est effondré. Allez, j'arrive pas à focus. Oh, c'est grave en vrai. Wrestling qui sera donc premier. C'est tellement des heures en plus que je fais. Que j'ai jamais. Enfin, que j'ai fait sans. Que j'ai fait un training mais que je savais comment éviter. Ouf, c'est entré au tuyau qui passe quand même. Correctement. Bon. Ah. Je vais aller jusqu'au bout de celui-là quand même. Ah bah oui, quand j'ai évité de me faire 5-0 par contre, hein, clairement. Oups. Ce serait bien qu'on voit la fin de la map, quoi. Ah si, on l'a vu en warm-up. Bon bah tout va bien, en fait. Oh, Wrestling qui a quand même une avance confortable, qui peut se permettre de faire n'importe quoi. Ah. Comment je calcule les points post-match? Alors, il y a deux facteurs, on va dire, deux multiplicateurs. En plus des points du match, donc on calcule les rounds gagnés en 5. Bon. Et ensuite, on moi, regarde... Moi, je commence à prendre des trucs sur moi, c'est sympa. Parce que en vrai... Ouais, en vrai, ouais. Ce genre de carte RPG, donc Mushroom et celle-ci, je peux pas les train que en time attack, je suis obligé de les train en round un minimum. Ouais. Et du coup, les points, ils sont calculés. Sinon, j'avais fait quoi, Dédi 3 juste avant le début du match en plus. Genre, j'avais fait 5-0-8. T'as créé mon PB sur Z-Guest. Sur Mushroom Island, j'avais fait quoi, 5-16, je crois. Non, pas 5-16, n'importe quoi. 5-18 ou 5-20. Mais il y a des CP beaucoup trop difficiles pour que je puisse les gérer quand time attack. Ouais, du coup, on regarde les points que tu mets trop sur de data sur Z-Guest. De l'adversaire, donc en gros, si tu mets des points sur comme de l'adversaire, clairement, j'ai fait beaucoup de la merde. Ça vaut 2 fois plus. Donc là, Wrestling, il se met trotité du start. Plutôt ralasse comme jamais, je dirais. Hein, ouais, je travaille sur mon mental à l'avenir. En RPG, c'est trop important, en vrai. De dire que c'est pas parce que tu rates le start que tu peux même pas... Enfin, que t'as forcément perdu le run, quoi. Un lucky. Vraiment une lucky. Et je dois avouer que je pensais que Wrestling s'était beaucoup moins bien préparé pour ce match, alors qu'en vrai, il a tryhard ses grands morts. Et c'est beau jeu. Il m'a dit, hein. Il m'a dit, Sirem, ce soir, je vais le pulver. Bon, je vais pas vous montrer le screen, mais je pourrais.
Et donc du coup, bon bah là, Respawn qui met 4 Donc ça, 41, c'était quand même un free round, hein, je chie. Sur la main de son adversaire. Donc là, déjà, ça lui fait déjà 8 points. Vu que les points sur la map de l'adversaire comptent double. Et en plus, il y a un calcul de points avec le grade PVM, parce qu'il faut quand même récompenser les gens qui se sont cassés un certain organe sur... coucou YouTube. Sur le PVM. Mais c'est le plus important, le multiplicateur du PVM qui prend tous les points, donc le cumul des deux maps. Pascaline, ça c'est très mauvais. Mais il arrive quand même à revenir. Je reviens en cam 2. Non, là on voit rien, l'ennemi de la cam 2. Je reviens en cam 1 du coup. Par exemple, on a Cyrémix qui a un rank god. Cyrémix qui a dû passer à peu près 300 heures sur ses 3 derniers mois en RPG. Sur le PVM, et bah, il est monté en god. Et bah, qu'est-ce qu'il a? Il a un multiplicateur x3. Donc là, il est actuellement à. Combien? C'est qui avait 5-2 sur la map d'avant? C'est Wrestling hein, qui a gagné la map d'avant. Non, c'est Cyrémix ou Wrestling, je sais plus. Il avait 2 points Cyrémix? Attends, il s'est vraiment fait défoncer comme ça? Bon bah du coup Cyrémix a 2 points. Et bah non, il y en a pas 2, en fait il y en a 6, c'est fantastique non? Ah non, bah non, vu que c'était la map de l'adversaire, donc ça compte double. My bad. C'est fait pulvère. Wrestling, incroyable. Oh, j'ai été lazy, je suis trop con. Putain, RP a perdu contre ça, hein, c'est chaud quand même. Au secours. Du coup, il a mis 2 points sur la map d'avant, 4 points, x 3, il est donc à 12 points. Alors que là, Wrestling qui a mis donc 5 points sur sa map, plus 4 points, il est donc à 5 plus 9, 14. Mais vu qu'il est en rang A, et ben il n'a pas de multiplicateur, il peut juste avoir accès au PVP, il n'a pas de bonus là-dessus. Par contre, s'il était en S, il aurait commencé à avoir un bonus de multiplicateur. Oh, mais attends, mais ils sont tout à coup là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un suivi. Les deux joueurs, côte à côte, ou presque. Wrestling qui doit faire l'effort de rattraper Cyrémix. Ouais, ici c'est un peu clip. Cyrémix qui a eu une très bonne entrée ici. Oh, Wrestling aussi. Ah, que c'est fatigant. Aïe, 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 aïe. Cyrémix qui a touché le dessous de la route. Mais attends, mais c'est le manche de la route là aussi. Cyrémix qui part en lambeau, qui se mange un peu tout. Wrestling qui continue de se manger à l'intérieur des murs, hein. Il aime ça. Ah, et l'endroit à ne pas foirer, si les deux joueurs passent, ça pourrait être intéressant. Cyrémix qui va risquer et ça passe. Wrestling qui safe, ah, il aurait pas dû. Là, c'est le moment où il va falloir risquer. Est-ce que Cyrémix va pouvoir se réveiller, concrétiser au moins un round? Ou encore finir dans cette même sauce qu'il affectionne tant depuis une heure, hein, à peu près, là. Wrestling toujours derrière, il ne maîtrise pas bien cette partie de la map, hein, on l'a vu depuis le warm-up. Aïe, 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 bon, ça passe quand même. Mais c'est très bancal. C'est très bancal, cette partie-là. Cyrémix qui a maintenant 4 secondes d'avance, hein, 4 secondes sur une petite partie comme ça. C'est pas négligeable. Et ça lui permet de pouvoir s'accorder une petite erreur d'ici la fin de la map. Qui reste assez facile, hein. On a fait le plus dur. Le plus dur a été fait, il reste peut-être le petit saut à moitié de l'ange, je dirais. Petit saut de l'ange sur la droite où il faut juste gripper, mais il était juste en haut là. De leur tête, je crois. Non, on peut pas, je me cours complet. C'est pas le même bâtiment. Je dis n'importe. CPG. Pour l'instant, c'est maîtrisé. Ça part tout droit. Puis à droite, le drift. Oula! Le drift, assez violent, la réception là. Mais ça passe quand même. Alors que reste l'une? Faut quand même regarder, au bout d'un moment. Ça va bien, Michel. Hein.
toujours derrière, qui a encore plus de retard, 9 secondes actuellement. Très compliqué à rattraper. Alors que Cyrinix commence à foirer un peu à l'endroit dont je parlais, mais qui reste quand même en avance. Et c'est oh, un round putain, gagné pour Cyrinix. Bien joué, le premier. What the fuck? J'ai retenu mon souffle. Oh. Holy shit! Et premier point remporté par Cyrinix. Et ça ne sera donc pas tout le match quand même. 5-0. C'est dommage. Bon, je vais éviter l'humiliation 5-0. Un peu trop d'éther, Eslin. Tu t'es chié. Un peu trop d'éther. Allez là. On va rattraper ça. Et ça commence mal, hein, dès le premier virage. On se croirait sur Mushroom Island actuellement. Compliqué de faire du gauche droite. Alors que Cyrinix continue sur les tuyaux. Tranquillement. Bah, d'un côté, Insanity, est-ce que je peux faire autre chose? C'est compliqué, hein. Alors je veux bien ne pas juger, mais là ça demande un trop gros effort. Hein. Cyrinix commence donc ce round avec une avance très confortable. Et on sait qu'il maîtrise bien mieux certaines parties de la map. Oula, Wrestling, qui s'envole. Oula là, en plus, putain, Pixel, quoi, j'étais dessus. Wrestling qui décide. Bah là, il en a marre, là, Wrestling actuellement. Là. Il part, il y va. Ça y est, je pense que ses parents l'ont appelé. Il s'est dit, bon, allez, j'en ai marre. On va finir ce match, là, ça n'a aucun sens. Ça y est, il est énervé. Bien visé, ça. Ouais, bah. Ça passe correctement. Est-ce que Wrestling va se retrouver coincé comme la dernière fois? Dans le coin, le petit grass slide, ça passe. Correctement. Cyrinix le suit de très près. Très très près. Rattrapé, attention. Le joueur canadien qui tente le cut et qui loupe. Alors que Cyrinix le réussit. Ça peut avoir un. Très, très grande importance sur le reste de la map. Peut-être que le round est décidé. Aïe aïe aïe, Wrestling qui loupe une deuxième fois le cut. Troisième fois. Si Wrestling est en manque de temps, je pense qu'il ferait mieux de Dell. Et d'aller chercher le prochain round. S'il peut encore. Malheureusement, la réflexion macro, c'est compliqué. Ah, quoique. Ah, si. Wrestling qui nous écoute peut-être sur le live. Ouais, mais Cyrinix qui joue sans la canne. Je pense qu'on va. On va raise, hein. C'est raise, hein, c'est ça? Non, c'est quoi? Je sais même pas si j'ai touché ou si j'ai pris un bug. C'est quoi la commande? Je vais faire ça chachel. Alors. Restart? Non, restart c'est pas ça. Replay? Non. Si? Bon, on va dire que c'est restart, hein. Non, Endron, mais oui, c'est Endron, merci. Heureusement que vous êtes là. Il y a donc 4 à 2. La Dell. 4 à 2.
go live. Allez. Il est bien 4-2, hein. Oui, il est 4-2. Et la remontada très légère de Ceremix, mais qui porte ses fruits pour le moment. Chaque point est important. Actuellement, Wrestling qui se débrouille très bien. Ah bah c'est Zedgeist, hein. Et pourtant ils sont rapides, hein. Ah non. Encore. Wrestling qui s'est bloqué au pire endroit. Putain mais c'est ouf. Et les deux joueurs qui respawn. Oh ouais, franchement je fais des erreurs de merde. Enfin, respawn directement. Il n'a pas le mental. Le manque d'expérience du jeune joueur canadien. Respawn et... Ouais ça y est, non, alors Wrestling... Et je pense en train d'argumenter avec ses parents pour avoir encore quelques minutes pour jouer là. À moins que ce soit encore un autre Dell. Donc, nous sommes au début de la map. Et c'est un autre Dell. Nous sommes donc à 4-3. On part. Attention sur un. Non, non. 4-3. Toi aussi, il est pressé. Wrestling qui part avec un petit désavantage, un dixième de retard, on va partout le laisser comme ça. Pas non plus. Il permet d'avoir un peu de choses intéressantes en ce début de map, car Wrestling est plus souvent devant. Sauf si là il fait n'importe quoi. Aïe 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 aïe, Wrestling qui a perdu le mental, j'ai l'impression. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Assume. Sur le tuyau. Compliqué. Compliqué déjà. 10 secondes de retard presque. Il négocie très mal ce passage-là aussi. Peut-être que Ceremix va aller chercher une égalité. Et un round final, il y a Wrestling qui s'effrite complètement. Et oui, il s'effrite encore. Oh non, non, Wrestling, pas déjà. Allez, Wrestling, là, souffle. Tu reset. On part pour le dernier, ok. Ouais, Mental Boom, je crois. Je crois que là, c'est la map qui aura raison du joueur canadien. On rentrait au dernier run. Ouais. Le fameux dernier run. Et bien apparemment, c'est trop tard. Pour Wrestling qui va devoir aller retrouver sa famille. Ah, vous n'avez pas le chat. Peut-être que vous arrivez à lire tout en bas à droite là sur ma POV. Allez-y, zoomez là, approchez votre tête de l'écran. Je me cache. Alors est-ce que Wrestling va pouvoir négocier un dernier round? Ou est-ce que c'est complètement fini pour le joueur canadien? Hop là, il est là. Il est dégagé. Pour l'instant, c'est Ceremix qui s'élance. Concentré. Impérial. Imperturbable. Vers une victoire certaine. Mais
Ah, Racine qui peut faire le dernier, donc je pense qu'il doit prendre son temps. Il doit être actuellement occupé et être très content que Cyrenix est encore en train de rouler. Rondelle ou pas? Quand tu veux. Aslin qui a d'elle. Allez, bah 4-4 tu peux faire le dernier. 4-4, balle de match, dernier round. C'est moi qui dis. C'est parti. Aslin qui prend une légère avance avec le premier turn. Petit enchaînement, pas parfait, mais ça suffit pour garder l'avantage. Il passe correctement. Attention, on arrive au tuyau bientôt. Premier obstacle. Alors attention. Ça passe. Ça passe pour Aslin. Ça passe pour Cyrenix apparemment aussi qui le suit. De très très près. Toujours premier. Aslin, allez, ça c'est une grosse perte de vitesse. Mais apparemment, Cyrenix n'a pas pu tirer profit de tout ça. S'il revient. Il revient au coude à coude. Les deux joueurs sont actuellement à égalité. Cyrenix. Oh, qui tombe. Cyrenix glisse. C'est terrible. Sur la fin d'un CP comme ça, c'est terrible. Alors que Wrestling a l'air d'être retourné dans son match. Est-ce qu'il le sait? Peut-être. Peut-être pas. Je fais n'importe quoi sur ce start. Allez. Oh là là là. Il reste encore quelques passages à Wrestling pour passer ce sur quoi il fait n'importe quoi sur quelques rounds et après je pense d'or. Je pense que Wrestling peut assurer la fin s'il arrive à passer correctement sur la première partie de map. Tout va se jouer au cut. S'il sait qu'il est devant, il peut encore essayer de le save. Il a actuellement une avance plus que confortable. Il peut passer tranquillement, mais il ne le fait pas. Et ça passe, ça passe. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Passoune, avance. Ça marche, hein, vraiment? Alors on peut rester bloqué ici? Je savais pas. Bon, en tout cas, il est passé. Apparemment, Cyrenix aussi, vu que Cyrenix a gagné 2 secondes sur Aslin. Aslin qui passe ici avec un très très bon landing. Très bonne transition, le passage sous la route, très propre aussi. Je me demande comment passe Cyrenix. Cyrenix qui a apparemment un peu plus de retard, il a pas dû avoir une très bonne transition. Très bonne route par contre. Toujours à 6 secondes. Ah non, ça c'est une vite, ça reste une. Attention. Nyx, pas loin derrière. Le passage le plus important, mais Wrestling le passe d'une façon très très safe. Il a sa façon particulière de le passer. Hop là, petit saut. C'est régu et ça passe. Par contre, Cyrenix maintenant qui n'est plus qu'à 2 secondes. Au coude à coude, on devrait peut-être vous le voir repasser devant actuellement. Non, peut-être qu'il a eu un accrochage. Wrestling qui reste très lent dans cette partie, plus qu'à 1 seconde maintenant. Aïe. Cyrenix qui risque. Avec la roue derrière, effectivement. Aïe, Wrestling qui accroche sur les côtés. Ça, c'était vraiment la chose à ne pas faire. Quitte à aller lentement, autant assurer les bonnes trajectoires. Alors que Cyrenix est maintenant devant. Et ça, j'allais dire que c'est l'entraînement qui paye, mais le petit jump de précision qui passe difficilement. Et Racing qui repasse premier. Nous sommes maintenant dans le dernier tiers de la dernière map. Dernier round. Et il reste très peu d'endroits. Alors, faut essayer de fail aux bons endroits par contre. Ça, c'était un endroit où on ne fail pas. Je disais donc qu'il reste très peu d'endroits où on peut faire des erreurs. Je le dirais quand même en cette phrase, hein, mais après ça vient de se passer.
Et deux joueurs qui sont au coude à coude, alors wrestling, qui risque. Il est obligé de risquer, il a peut-être dû voir sa position. Il sait ce qu'il doit faire. Il ne faut pas qu'il attende une erreur de Ceramics, il faut qu'il aille le chercher actuellement. Il faut qu'il donne tout. Ceramics juste devant. Ça va se jouer à pas grand chose. Une erreur. À l'aide de la part. Mais c'était quoi encore ce fail là? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas bien vu moi, mais ouais, apparemment c'était pas ouf. Trah, j'ai les nerfs, mais un point. Et reste une qui passe, le dernier endroit très difficile de la map, et je pense que nous avons notre gagnant. Voilà. Tant qu'à faire. J'ai envie de me tuer, c'est tout sans droit, déconner. Actuellement, quoi. Tout droit. Et Reslin qui gagnera 5 à 4 contre Ceramics. Oh, c'était quoi ça? J'ai foncé tout droit, j'ai pas tourné à droite, j'ai même pas compris pourquoi. Oh, je fais de n'importe quoi. Bah, GG. Et ouais, tu es encore fou dans la sauce là. Putain. 5 à 2. Ah, c'était dur. 5 à 4. Ouh, mon pote, c'était dur. Bon. Bon. J'ai maintenant terminé, je pense que Ceramics va bientôt me rejoindre. Bon, je vais pouvoir enlever le setup, c'est nice. Du coup, je vais enlever que je le pire de l'écran. Bon, faudra que je fasse des améliorations pour le prochain, parce que là, ça va absolument pas. Et vous dites pas comment que je vais gérer ça, on verra bien. En tout cas, DJ Wrestling, fait un très gros match, l'enculé, putain, il est tellement chaud. Alors, attends, ça nous donne quoi du coup au niveau des scores? Je vais aller chercher la grille. Vous dites que j'ai été gentil. Et voir ce que ça donne du point de vue PVP. Ah ouais, PVM, PVM, Alien Corner, Boom Sandbox, Backstage PVM, Matches. Voilà. Arrête! Putain! Arrête, Insanity! What? Elle a disparu? Il trash talk pas du tout! Alors! Mais non! Ah, Ranking PVP! Mushroom! Ah, c'est en train de calculer! Moi j'aurais pas les résultats 5. Du match instant. Alors puis il va rentrer tout ça et on aura les résultats après. Alors, j'ai récupéré RP avec moi en vocal, parce que là pour l'instant vous l'entendez, moi je l'entends pas. Nous avons donc Reslin à 15 points. Vidéo. Se passe donc devant moi, bravo Reslin, tu as fait une meilleure perf. Heureux. Et heureux. Vas-y, enlève ton partage d'écran, que je retrouve les FPS. Oh putain, t'as Reslin tellement fort. Reslin tellement fort. C'est sick match en vrai, enfin deux matchs, bah, sick match sans mes fails, mais... En vrai, je lui avais demandé un peu ce qu'il pensait du match avant, et il m'avait dit sur Zedgeist... Ouais. Bien. Il y a moyen. Il y a moyen que ça aille bien, il m'a dit. Ouais, bah en vrai, il a fait des temps pas mal, hein. Il était quoi? Ça peut aller très bien, il m'a dit. En point 30, je crois. 5-30. C'était well played. Ouais. Bon, il est quelle heure du coup? 23h15 déjà. Le temps est passé si vite. En vrai, ça a duré moins longtemps que nous. Ouais. En même temps, on a dealt beaucoup de runs, donc c'est pas étonnant. C'est vrai. C'est vrai. Ça va passer proche. Côté, ouais, wrestling de ouf. D'un côté, Wooden Leg, c'est assez long aussi comme maintenant. Ouais, dit, clairement, c'est 7 minutes. C'est... En vrai, c'est énorme. Ah. Ouais. Demain, piqué bad. Ouais, je suis chaud. Bah, même maintenant, si tu veux, Skyzen. Hein. Allez, maintenant, tout de suite, là, en live. Ouais, tant qu'à faire. Est-ce qu'on l'invite dans la con? Ouais, go. Allez. S'il est chaud pour les faire maintenant, je suis chaud pour les faire maintenant. Est-ce que t'es chaud pour Vok? Joe, si on fait les piqué bad maintenant, c'est archi chaud. Est-ce qu'il est chaud ou pas? Bah vas-y, go. Viens, D. Vas-y, je l'ajoute. Comment est-ce qu'on ajoute quelqu'un? Je crois pas que je l'ai dans mes amis. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors, Sky... Ta-ta-la. Ajouter. Voilà, normalement, il est dedans, là. Ça l'a peut-être direct, même. C'est fantastique. Allez, let's go. Pikeman Phase. Et yo. Et salut à tous, Kevin. Ça va, et vous? Ça va, tranquille, vous?
Alors, Skyzen. Attends, parce que du coup, je me suis pas préparé. Parce que là, je lance un truc et tout sur le chat. Je suis en mode, ouais, je suis giga chaud, tout t'inquiète. Ça. D'abord, et j'arrive sur le PVM. Ah, mais je vois sur le PVM, je vois 21 maps. Déjà, mon cerveau, il fond là. Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Non, 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 il faut une map d'abord. Une date d'abord. Dans le week-end prochain, n'importe quand. Il y a la Sphérise le week-end prochain. Ah. Oh. Après, moi je pourrais pas y aller parce que j'ai pas les moyens, mais du coup je serais dispo. Mais juste du coup, je crois que c'est quoi? C'est samedi la Sphérise, j'imagine? Donc pas samedi soir. Bah, ouais. Dimanche alors. Dimanche, ok, dimanche 21, ça part. Ça, c'est. Wow, dans une semaine là? Ça te laisse, ouais, une semaine. Chaud. Ça te laisse une semaine pour te préparer mentalement. Yes, sir. Alors attends, parce que. C'est déjà. Date. 21-08. Non, 07, pardon. Et quelle heure du coup, 21h? Oh ouais. Ok. Je m'en fous de ça, je serai là. Hop. Skyzen. Associanix. Hop. Alors, banning map. Qui c'est toi qui challenge du coup? J'avoue, hein, c'est qui a provoqué, hein, je crois. Alors, du coup, on a dit Wonder et Dimension, c'est des maps pas très intéressantes. On est, en on plus, on pas, est vraiment on giga chaud. Sky, il faut que tu tapes la commande magique. Oui, parce qu'elles sont match start. Match start. Et tu auras les droits. Putain, mais c'est quoi ce bordel avec le play? Vas-y, attends, je vais le quitter, je vais relancer. Sauf si Imobot est caché. Je fasse dans bot commande, ça, ça. Ouais, c'est ça. Match start. Ta-ta-ta. Tu es donc en match, incroyable. Ouais, maintenant tu peux écrire dans les autres channels. Yes. Bon, bah du coup je te laisse ban en premier. Écrire dans ce channel. Pendant que moi je vais préparer le template de votre match. Putain, il est où le channel? What the fuck? De quoi? Je suis aveugle ou quoi? Juste en dessous de bot commande. Ok. C'est 21h30, c'est ça? Mmh. Du coup, bonne map. Alors, qu'est-ce que je ban en premier? Ah, c'est 21h, vous avez mis 21h30 ou pas? Non, 21h. 21h, vraiment là? Mmh. Ouais. Ok. Là, ça te fait cher, 21h, tu pourras pas casse. Ah non, mais c'est juste qu'on me dit 21h, après on dit 21h30 et tout. Ah, go 21h, ouais, go 21h. Go 21h, là, ce sera fair. Précis aussi, oui. Alors, qu'est-ce que je ban? Je vais ban. Attends, parce que du coup, j'ai pas du tout le truc sous les yeux. Oh, maintenant c'est bon. Ok. Qu'est-ce qui marche bien ce template quand même? Mais encore merci à Misawa d'avoir fait tout ça. J'avoue. Attends, je vais peut-être mon temps sur Zguest tout le temps que j'y suis. J'ai 5-0-8. Et du coup. Mushroom. Là. J'ai fait 20. Du coup, c'est toi qui commence à ban. Hein. Yes, yes. Ah, il cherche. Non, ouais, ouais. Paralyze. Pourquoi tu me suis sur des mots doux, là? Laisse-moi tranquille, quoi. Non, pour de vrai, c'est sûr, je ban Zguest. Moi, je veux pas la jouer. Je vais le faire. Ah, ben, Zguest. On peut pas mettre les centièmes, sinon ça bug. Ok. Ban Nameless. Oh, moi, je l'aurais pas l'an dernier. En termes de réflexion, c'est pas allé très loin. Ah non, non, je l'aurais pas l'an dernier, moi. Wow, super. J'aurais laissé un gros peu de temps. Gros ambiance ici sur ce stream, quoi. C'est que là, je m'amuse, non. Pick ma MDR Infinity. Je vais ban Purple Plot. Fair enough. Wow. Je change de pas. Alors moi, je vais ban un truc genre Mushroom Melon. Mais c'est pas drôle. Quand est-ce qu'on s'amuse en fait? Ça va aussi, putain, gros, les maps là m'ont rendu ouf. Ah, c'est bon, j'ai assez donné aujourd'hui. Wow.
Je suis pas chaud sur celle-ci. Mais... Une map que je vais absolument pas jouer, c'est Only a Wooden Leg aussi. Donc ban Only a Wooden Leg. Ban la roula. Ok. Pourquoi pas? Il me reste deux bans. J'hésite entre 3 là, il faut que je fasse un choix, c'est juste au relou. Les packs du map SS, ça le compte ou pas? Je crois pas. Ah ouais, tu peux. Hein. Okay. Il y a juste les 7 du pack God que tu peux pas piquer. Ok. On va pas gêner une map du pack God quand même, on en est pas là. Quand même. Ouais, je sais pas, hein. Je vais toujours aller sur l'Apst. Hein. Ouais, c'est ça, je me dis, il y a des gens qui ont piqué l'Apst ou un. On est vraiment là, Cyramix, là. Non, un match de 4h30. Non, je te fais une histoire, je piquerai pas du SS, vu que t'as pas terminé le pack de cette manière. Ouais, mais il va le tryhard cette semaine. Ouais, mais c'est bon. Cette semaine, il sera fini, quoi. Donc au pire, tu devrais ban des maps du SS. Hein. Non, je piquerai pas en SS. Tu veux piquer en SS, tu piques en SS, je piquerai pas en SS. Ah, il va piquer Ratchet Canyon 2. Aïe, aïe, aïe. Quel plaisir, quoi. Un deuxième match de 1h30. Enfin, de 3h, plutôt. Du coup, j'ai bonne Moonbase. Wow. Et maintenant, c'est à moi de choisir. Encore un ban. Non, encore deux ban. Calme-toi. Ça m'étonnerait que t'aies envie de jouer pendant 3 heures. Donc, je vais pas ban Castle of Sorrow. Ah, je sais pas. Moi, tu sais, les 3 heures, je les tiens. Hein, genre, il y a eu 7 matchs nuls sur une map qui s'appelle Nameless, quoi, en match. Donc... Non, je vais ban cette merde. Tu serais beaucoup trop rapide de jouer dessus. J'ai mal écrit, mais tu m'as compris. Partit. Du coup, je ban Paralyze. Non, je ban cette merde. Bah c'est fini. Ah mais non, vite non. Mais non. Elle est trop bien cette map, putain. Yes, je vais d'humility. Putain. Ah ouais non, c'est mort. Mais non. Mais non. Oh la flemme de train de cette merde, gros, je te jure. Je me suis fait sniper quoi, genre. Ah, fallait pas mal de paralyse. C'est sniper mais mort, what the fuck. Bah toi de pique hein du coup. Ah ouais, tu sais ce que j'ai envie de piquer. Oh là là, ça serait tellement le match de l'année quoi. Bah Shito là. Regarde ça que dans ah, ça c'est Shito là. Il est pas vraiment. Bah, y a juste Shito qui peut tomber quoi. Le match de l'année quoi. Entre Shito et V28, mon gars, là, mes doigts ils sont juste pas frais parce que les deux, genre, j'ai juste trop envie de les jouer en fait. Wouah, franchement, Shito, ça a l'air quand même vraiment drôle quoi. Putain. Je crois qu'en plus les gens se rappellent même pas de Shito sur le chat. Oh là là, bah vous allez vous en rappeler quand vous allez voir Cyramix stream toute la semaine, genre des chiottes. Ah, c'est attends. Littéralement des chiottes quoi. Ouais, la map porte bien son nom. Ouais, c'est ça, attends. Du coup, faut que t'écrives dedans, ouais. Ah, vas-y, c'est. Franchement, vas-y, je pique Shito, je m'en fous. Je m'en balèque. Putain, il a vraiment pique en plus. En vrai, ça m'arrange parce que V28 ça m'aurait fait plus chier si je la connais moins. Alors, non, mais Shito, c'est pour le lol quoi. Oh ah, putain, merci bien. Mec. T'as pique pour le lol? Merci quoi. Moi, je sais pas quoi pique du coup maintenant. Qu'est-ce que je pourrais pique? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mec. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Shito me ferait trop plaisir. Elle a déjà été pique. Imagine bon. Gros. Faut une autre. Imagine gros, on va jouer Shito, genre t'es obligé de freiner dans tous les coins. Genre c'est limite Wonder V-like en plus court quoi. C'est Wonder Light. J'ai envie de voir Cloud Templar. Hein. Non. Non, parce qu'en vrai, en vrai, j'aurais dit oui, mais viens juste de la jouer donc. Ouais. Genre plein de trailers dessus. Ça n'a pas de sens. Je suis à 46, quoi. Je suis à une seconde de le faire. Moi, je dis juste que Wonder a pas été ban.
Oh non, elle a été ban, elle était ban avant. Ouais, mais c'est non. Un commun d'accord, non, parce qu'on est trop fort sur la map, donc du coup on veut juste pas que Choco prenne peur, quoi. Je pense que je sais ce que je vais pick. Ouais, WR en live, c'est pas parce ça. Parce que bon, y a pas trop de map drôle. En fait, j'hésitais à piquer le VGVS. Ouais. Mais à mon avis, tu l'as joué il y a pas longtemps et je sais que Skazen est bon, très bon dessus. Moi, il faudrait que je revoie beaucoup de choses, donc la flemme. Donc du coup, à la place, je pique une map, une des seules maps que je connais de base du PVM avec Only a Wooden Leg Remain. Oui, aïe, 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 aïe. Moonbase, les deux ont été bannes, parce que forcément, c'est les deux que je connaissais le plus. je connaissais aussi Colored Eye, que je pourrais pique. Ouf. Je connaissais Castle of Sorrow, Z-Guest et LVGVS. C'est ça que je connaissais. Mais je pique Castle. J'ai un peu la flemme de me crush ma grosse daronne sur H24 sur la fin de. Sur la fin de Colored Eye contre Skyzen parce que ça me fait tilt. Donc je vais pique une map sympatoche. Oh, c'est juste un Néo. J'ai pique une map sympatoche. Il a pique Castle. Non. Oh. Ok. Ce sera un match beaucoup plus intéressant que chez Epic Castle of Soro. Oh, je suis obligé de train le cut, du coup, tu me fais chier. Tu sais que c'est le seul truc que je voulais pas faire. En plus, hier, on m'a proposé de la jouer. Je fais non, mais il y a un cut dessus, c'est chiant et tout. Ça, c'est le Pisces. Quel cut? De quel? Il y a un cut, genre, au deuxième CP, quoi. Il y a un cut au deuxième CP, quoi, qui est... Ok. Non, parce que il a été fixe, celui... Il a été fixe, celui... avec les blocs invisibles. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est pas un bloc. Non, mais c'est pareil tout, je préfère pas jouer le VGVS parce que, genre, en vrai déjà, je vais me la taper pour le match contre North Shore, j'ai pas envie de me dégoûter avant. Ah ouais, ok. Je comprends. Et match contre Mylan, de toute façon, je l'aurais même pas pick si tu me l'avais pas ban parce que j'ai un match dessus aussi dans 2 semaines et ça m'intéresse pas de la jouer. Ok. Dans un match 1v1. Ouais, je suis très chaud pour jouer le VGVS, mais bon, contre toi, je pense que je vais me la réserver pour plus tard. Ouais, bah 100%. De toute façon, là, il va falloir que je les rejoue d'une manière ou d'une autre, vu que je les ai toutes découvertes. Il y en a trop que, genre, par exemple, Shito, je vais être perdu dessus quand je vais arriver dessus. Donc, là, je les pique, mais dans ma tête, je suis en mode, je suis absolument pas. Qu'est-ce que ça va donner, hein. Je suis juste en mode, c'est juste drôle de jouer dans des chiottes, quoi. Genre. Ouais, c'est pas faux. Bah, tu veux qu'on se la mette être... Tu veux qu'on se la mette là ou t'as pas le temps? Là, je vais retourner avec des potes, on va juste découvrir des maps là. Ça marche. J'ai envie de faire de la découverte un peu. Tu as découvert quoi? Des anciennes maps genre style TMNF qui sont vieilles dans les sur Mana Exchange. Ça et marche. Qui peuvent être intéressantes à reprendre, quoi. Voilà, ça voilà. Marche, ça marche. Ok, intéressant, dimanche prochain. Ouais, j'avoue. Du coup, Sloppy Slice et Shit Hole. Bah, je vais chercher Shit Hole pour la mettre... pour me la mettre au calme sur le serveur. Bon, bah voilà. Puis sinon, j'ai géré Sline d'ailleurs, putain. Ouais, clairement. J'ai géré Sline et puis je t'ai dit à dimanche prochain, du coup, je suis giga chaud là. Bon, quand même, je pense qu'on se reverra avant quand même, on va traîner ensemble sur Shito. Tiens, moi, qu'on se tape des belles barres. Ouais, hein. Allez, vas-y, je vous laisse. Ça bon, marche. Salut. Tchuss. Salut. A plus. Et voli volou. Alors... Pas parce que moi aussi je veux y aller. Non, pas ban, add et mix machin, ça marche harpie. Moi je pense que je vais, je sais pas, je pense que j'ai juste fait un petit tour sur Shito, l'histoire de redécouvrir la carte. Fantastique ça. Et ensuite, je sais pas ce que je vais faire. J'avoue. Je sais pas trop quoi faire. Putain, mais cette miniature aussi là, cette intro de carte incroyable. Un gros chiotte là. Terrible. Ah, je me demande une question de Insanity qui me demande Harpy, c'est quand je t'éclate au